Monsieur Roubaud, aujourd'hui s'ouvre le campus UMP à Marseille. Quel sera le programme de ces trois jours? D'abord du beau temps, c'est important, et de la bonne humeur. Vous voyez autour de nous, les jeunes sont mobilisés. Le programme, bien sûr, c'est l'actualité avec la crise économique internationale, le problème de la dette, et puis aussi tous les sujets de société, sujets d'actualité, et la présidentielle, bien entendu, puisque nous sommes maintenant à 10 mois de l'élection présidentielle et que nous devons tous être derrière celui qui mènera notre famille politique, non seulement au combat, bien sûr, mais aussi à la victoire, Nicolas Sarkozy. Quelles valeurs souhaitez-vous véhiculer ? Moi, je crois qu'il faut qu'on reste sur les fondamentaux de 2007. Les Français avaient adhéré à ce programme de manière massive, c'est la première des choses, et qu'on adapte ces fondamentaux de 2007 à la réalité de la situation économique internationale. La crise est passée par là, et je crois que c'est un élément majeur aujourd'hui qui a impacté le quotidien des Français, bien sûr, moins que d'autres, mais qui a impacté aussi le monde entier. Et donc, des choses qui étaient vraies en 2007 ont dû être modifiées parce que cette crise a été une crise majeure qu'on n'avait pas vue depuis 100 ans. Le président de la République a tenu le cap dans la tempête. Jean-François Copé tient le cap au niveau de l'UMP. Et je pense que c'est le réalisme de notre politique qui fera que nous pourrons gagner.